Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur l'épisode 2 Lego Marvel The Avengers, ou Lego Marvel Avengers hein. Donc nous sommes donc dans le donc au début de l'épisode de l'épisode de Avengers le premier. Nous sommes donc arrivés chez chez Tony Stark en compagnie de Gwyneth Paltrow, enfin plutôt de Pepper Potts, pardon. On sait plus trop de toute façon la limite entre les deux où est-ce qu'elle est. Ah si, il y en a une qui est gentille, pas l'autre. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, donc Coulson veut nous avoir au téléphone. Saloperie. Hop. Vous ne devriez pas répondre. Ça semble assez sérieux. Je ne sais pas où est mon téléphone. Son prénom c'est Agent. Hop. 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 C'est fait. Qu'est-ce qu'il y a? Seul Tony Stark par rapport à son téléphone. Appuyez sur B pour répondre. Oh génial. Vous parlez à l'androïde de Tony Stark. Laissez un message. C'est urgent. Laissez-le d'urgence. Oh mince, l'ascenseur s'est allumé. Oh non. Intrusion. Monsieur Stark. Phil, approchez. Nous faisions une petite fête. Une fête? Pourquoi? La petite fête, elle est dans ton slip. Pourquoi Phil? C'est au sujet des Avengers, dont je n'ai jamais entendu parler. Je croyais le projet abandonné. On m'avait même rejeté. Ça aussi, je l'ignorais. Je suis apparemment imprévisible, narcissique, mauvais équipier. Ça, je le savais. Ce qui est marrant, c'est que depuis qu'on est dans cet endroit-là, je crois que c'est peut-être à cause de la bulle en verre, peut-être. Je sais pas. Voilà, je casse tout chez Tony Stark, vu qu'il a pas voulu que je rentre. Hop. Il me faut les pièces. Est-ce que dans cet endroit, il y a des trucs? Bon, apparemment, il n'y a rien. Bon. Hop là. Ok, merci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un truc à pousser. Poussons alors. Oh. Ok. Il me faut un mécano pour ça. Alors. Hop 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 hop. J'ai envie de voir si tu mets vraiment un truc d'Iron Man devant. Non, il met juste un truc de mécano. Hop. Voilà, réparé. Merci. Ah oui, carrément. Bah écoute, excuse-toi. Aïe. Alors, qu'est-ce que c'est? Tour Stark. D'accord, il y a des trucs à réparer ici. Alors, ça donne quoi? Ok, il faut être du shield ou du... Apparemment, il faudrait être du shield. Ce qui ne sera pas le cas. Je ne suis pas un agent du shield, cependant. Je tiens à préciser. Et c'est... Encore une commande! Pourquoi pas? Non, attends une seconde. Appelez, voilà, ça résout un problème. Je vais pas appeler problème récurrent parce que le problème récurrent ça reste au shot. Hop, voilà, un petit peu de crédit. Hop, j'en profite, hein, chers amis. Hein. Je peux pas sortir par la porte, c'est dommage. Ok, bon. En tout cas, niveau crédit, on remonte bien. Ok, bon. C'est pas grave, on va arrêter de faire nos conneries là. Hop, parce que j'aime bien casser le matériel de Tony Stark. Oh, c'était stylé ça, oui c'est vrai, je me souviens. Hop, et maintenant c'est beaucoup moins stylé. Le combo. Ah non, elle veut pas, hein. Quand elle veut pas, elle veut pas. Bon, alors. Le jeudi de 8h à 17h. Ce n'est pas une consultation. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô. Voilà. Ça c'est ça. D'accord. Wow. D'accord. Je prends le jet pour Washington dès ce soir.
Tu as du travail. Beaucoup de travail. Mais non. Ah, la musique. La 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 la. Qui par son courage sauvera l'Amérique. Pauvre Captain Steve Rogers. Un homme hors du Captain temps. Steve Rogers. Dans le sens littéral. Quand il est devenu Captain America, il a vécu des tas d'aventures et a affronté des ennemis incroyables. Je me demande si l'avenir sera différent pour lui. Enfin, le Captain a affronté des adversaires étranges, mais aucun aussi dangereux que Crâne Rouge et Arnim Zola. Mm-hmm. Heureusement qu'il a pu compter sur Peggy Carter et son ami Bucky Barnes. Mais encore ? Et c'est quand que je suis libre ? Ah bon ? Ah oui, ils vont chercher justement Captain America. On a des insomnies. Excelsior. Hop là. C'est fini pour Stan et c'est complètement fini. Oh, je veux les grandes boxes en vrai comme arme. Sauvegarder, continue. Bah oui, on sauvegarde, on continue. T'as cru, toi. Hop. Allez. Non, il va falloir l'autre trou du cul. Je veux bien dégainer, s'il te plaît. Appeler. Merci. Oh. Il y avait une touche B à un moment à appuyer. J'aurais peut-être dû faire un peu plus attention. Qui par la force de son courage sauvera l'Amérique. Je crois que c'est ça la vraie. Oh, oh, oh. Téléphone? Non, ça n'existe pas les téléphones. Hop là. Ok. Parce que là, vous voyez, il faut récupérer un maximum de choses. On va récupérer un maximum de choses. D'accord, j'ai tout cassé sur le ring. Carrément. Plus aucun respect. Ok. On casse tout, hein, c'est pas grave. Oh, des haltères. Oh, neuf foutre, ça pèse que pouic. Ah, je peux faire un double saut ou. Je peux faire un double saut, vous voyez, un saut et attaquer, pardon. Je peux faire un saut et attaquer. Un double saut et je ne peux pas attaquer. C'est bon à savoir. Là, il y a un personnage. On va savoir comment j'y rends. S'il vous plaît. Hop. Ok. Ah, apparemment, il y a des espèces de trucs bizarres à casser. Pas. Ah, j'ai encore cassé un truc en haut, mais je sais pas ce que c'était. J'arrive pas à voir ce que c'est juste avant. Enfin, avant que je ne les casse en fait. Ah si, attendez, je crois que je les ai. Non, même pas. Ah d'accord, donc c'est bien les trucs du Captain en fait. Là, il y en a un, en fait. Hop, on l'a pas vu. Qui par la force de son courage sauvera l'Amérique.
Ok. Ça c'est tout bénef. Ce qui m'ennuie, c'est que je sache pas du tout comment passer cette porte. Alors pas du tout. Mais bon, c'est peut-être pour plus tard. Hop. Yo. L'entraînement de Steve Rogers. Hop. Ok, bah oui, il casse tout le carrément gymnase. On ne dira rien. Ah. Ah bon, il y a d'autres choses à fabriquer. Oh, c'est le fameux truc de poing, là, faut taper dedans le plus fort possible. Non, même pas. Ah, j'aurais cru, c'est bizarre. Ah non, il faut l'autre trou du cul. Qu'est-ce qu'il me dit encore? Pas que vous séchez déjà. Panneau high-tech. Oula, le pauvre Stan. Cours, Stan! Par la force de son courage sauve. Ah. À l'aide? J'ai même pas vu où est-ce qu'il est allé. Ah d'accord. Attention. Une situation très périlleuse. Faut pas te sortir de là? Parlerai de ça plus tard. Je parlerai de ça plus tard, ok, bah écoute, fais comme tu le sens. Bon, continue. Hop. Hop. Là franchement, si j'ai pas ratissé la zone. Hop là. Bucky Barnes. Il est con. Docteur Zola, qu'en pensez-vous? C'est un chef-d'œuvre. Que se passe-t-il? Captain America, quel plaisir. Oh, un flashback, on va devoir jouer. On y va. Captain America, on dirait un de vos films. Vous et votre partenaire minable arrivez à temps. Hop là, j'aime pas Captain America du tout en tant que personnage. Personnellement. Captain Rogers, répondez. Steve, vous êtes là? Est-ce que votre radio a encore lâché? J'espère que vous me recevez. Crâne rouge doit être extrêmement dangereux. Restez sur vos gardes. Hop, dégagez. Ah, j'avais pas vu son siège, lui, au milieu. Ok. La prochaine fois, t'auras pas cette chance. On va pouvoir tester vos nouveautés, docteur. J'ai ah bon hâte de voir comment le bouffon et son bouclier s'en tirent. Le bouffon et son bouclier, mais non, mais on n'est pas dans Spider-Man. Activation des canons défensifs. Ah oui. Effectivement, c'est un gros canon. Steve. Tous les coups. Hop là! Non, je peux te mourir, voilà. Chaque fois il m'envoie dans les flammes, c'est sûr. Alors, comment faire pour l'arrêter ce truc-là? Flamme de feu d'exo. Interdit! Aïe, ça fait mal. C'est plus pratique que tu le crois. Hop, boum. Ça, si je me trompe pas, chers amis, c'est ce qu'il vient de faire là tout à l'heure. C'était le coup qu'il avait fait normalement à un Chitori quand il avait littéralement coupé le bras. Ah. Hop.
qui, toi? J'ai l'impression qu'il était différent, non? Bon, par contre, je vois pas du tout ce qu'il faut. Ah, c'est. Tu me lâches derrière? Hop! Ah, j'imagine que c'est Bucky qui a un grappin. Hop. Oh, il a un lance-flamme aussi. Non, c'est une grenade. Et c'est tout aussi efficace. Oula. Effectivement, celui-là a l'air plus protégé déjà. Aïe. Ah oui, il fait mal. Boum. Ah. Hop, et ça passe tout seul. Alors, son bouclier se désactive. Pourquoi pas? Oula, le pirate a tué le fantôme. Hop. J'espère pour vous que les suivants seront mieux, docteur. Ma patience a des limites. Ah oui. Est-ce qu'il discute? Je ne vous décevrai pas. Ya, Herr Schmidt. Je ne vous décevrai pas. Être un simple soldat, mais en vérité, oh. Vous avez peur. Yo. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent tous. Boum! Bucky Barnes, chers amis. Attendez, avant de l'achever, j'ai quelque chose d'autre à faire, malheureusement. C'est pas un point de sauvegarde, quand même. Ah, c'est un point de sauvegarde. Ah, merde. Ok, bon bah c'est. Et boum. Ok. Bien, boum. C'est terminé. Bien joué, Steve. Bam. Vous croyez que ces canons étaient le nec plus ultra, docteur? Le nec plus ultra. Ah, c'est le cas, Herr Schmidt. Ah, mes calculs sont toujours bons. Ça n'aurait pas dû arriver. Oh, pauvre petit. Y'a jamais rien qui aurait dû arriver avec toi. Toi. Hop. Hop les. On casse. Hop les. On casse. Hop les. Ah. Captain. Captain. D'accord, il m'envoie des ennemis, j'avais pas compris ce qu'il faisait en fait. Vous avez abîmé tous les jouets de Zola, Captain. Maintenant, voyons votre réaction face à un vrai défi. Oh, c'est pas vraiment un vrai défi, tu sais, moi je vais continuer à récupérer mes pièces, hein. Il lui faudra plus que ça pour arrêter les 4 Brooklyn. Après toi, Captain. Hop. Apparemment, j'ai pas le droit d'ouvrir ici, sauf peut-être avec. De qui? Je veux pas coller en tout cas. Hein. Bon, apparemment, c'est pas là. Ok. Hop. C'est chaud par là. On va éviter d'y aller. Ok. Oh, un coffre doré. C'est clairement un coffre ou quelque chose du genre. Hein. Est-ce que ça marche? Non. Non. Étrange.
Alors attendez, il vient m'indiquer un peu. Et les capacités thermiques. Et ça, c'est pas thermique comme capacité? Apparemment non. Bon. Apparemment je ne peux pas passer. Qu'est-ce que c'est? Apparemment non. Alors, comment suis-je censé passer? Est-ce que c'est pas un event qui a... Ah non, c'est là-haut. Je suis trop con. Hop. Et normalement, en plus... Non, je ne peux pas. Tant pis. Je vais pas vous spoiler, alors. Je vais rien dire. Je pourrais tellement vous spoiler les prochains Avengers. Enfin, les prochains Marvel. Boum. Hop. Mais pas d'une grande utilité, mon ami. Bla. Ah, j'ai pris cher. Ok. Ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, je l'ai. Cependant, si je pouvais éviter le... Non, j'ai pas envie de monter, j'ai envie d'aller là-haut, moi. Oh, merde. Je pense qu'il me faudra un personnage style Iron Man pour pouvoir monter, en fait. Oh. Ah, c'est marrant, les voix sont vraiment nulles. Hein. On les entend pratiquement pas. J'espère que vous entendez, chers amis. Oh là 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 là, oh, 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 je n'ai pas fini moi. Hein. Ok, si vous voulez avoir faire un point ici, pardon, je vais arriver. Hein. C'est comme vous voulez, hop, on va péter la gueule. Pas de problème. Oula, est-ce que j'allais tomber? Hop. Et je m'en doutais. Alors, t'as bien un truc thermique, toi, tu m'as dit, non? Non, ça marche pas? Non, apparemment ça ne veut pas. Ok, bon. Bucky, viens par là. Crac. Voilà. Non, c'est encore à Bucky d'y aller. Hop. Allez. Jackpot. Pourquoi il a bugué? Captain Rogers? Oh non, j'espérais que la radio serait réparée depuis le temps. Crâne Rouge doit être tout près de votre position. En fait, vous l'affrontez sûrement déjà. Bonne chance. Ah la Captain. Vache! Allez, Captain, on les tient cette fois! Non, pas moyen. Aïe! Je ferai ça. Aïe, quel combat. Quoi? Salaud. C'est pas passé loin. Quelque
Quelque chose me dit que Crâne Rouge va regretter d'avoir fait ça. Allez les gars, allez, hop les. Nous sommes l'avenir et hop les. Tiens. Hop. Hop, c'était l'activité, enfin l'attaque à deux, c'est pas ça que je voulais faire. Grenade. Quoi, c'est Steve ? Je peux m'occuper de ces gars. Ah d'accord, c'est à Steve de le faire. Ok. Et boum ! Cible Avengers en dessous, c'est génial. Ses souvenirs. Je te soutiens jusqu'au bout, mon pote. Ah. Si on manque notre coup, on sera fini sur le champ. Remuez-vous, les insectes. Olé. Ok, raté, désolé. Alors. Eh ben dis donc, ça en fait un train. C'est bon cette fois. La radio va fonctionner sans problème. Ok, attendez, j'ai un truc derrière. C'est la sauvegarde. Ça c'est contrarié. Essayez de progresser à l'avant du train. Armin Zola ne s'en tirera pas cette fois. Nos infos indiquent que Zola est dans le premier wagon. On va avoir besoin de lui pour attraper Crâne Rouge. Ok. Ok. Ok, c'est bon. Ok, ça fait un paquet. J'aimerais récupérer les pièces, s'il vous plaît. Pourquoi il me tire dessus, lui ? Aïe. Ok. C'est juste ce qui doit être fait. Hop. Bien, c'est quoi ? Ça part là. Aïe. Bla. La chute va être douloureuse. Ce qui fait chier, c'est que je perds des points à chaque fois que je meurs. Hop. Là. Con. Hop là. J'imagine que ça faut utiliser un truc en rapport avec la réalité. Ok, ça va pas le faire. Si à chaque fois que je gagne des points, je les repère illico, c'est pas bon. Là. Là. Oui, oui, je suis passé. Bon, c'est pas ce qui était prévu. C'est pas mal. Non. Qu'est-ce qui est arrivé à mon flingue? Pourquoi je dis plus mon flingue? Mais non. Mais pourquoi il est trop con, Bucky? Il demande qu'à sauter, en fait. Regardez. Oui, je suis au courant. Ok. Encore eux ? Où Hydra dégote tous ces types ? Ah ! On se sent submergé, pas vrai ? Oui. Tellement submergé. Aïe! Mais j'avais plein de trucs à les récupérer en bas! On a eu chaud! Je
Oui, oui, j'ai bien compris. Hop. Ok. Donc là, il y a un truc à faire. Ok. Et là... pas trop à quoi ça ressemble. Ah, c'est un élévateur, non? D'accord, ok. Hop, les ai eus. Alors ceux-là, ils sont protégés en plus. Faut pas que ça, ces choses trop à l'avant, sinon je vais me faire avoir. Ok. Et parce que Bucky Barnes n'est pas aussi agile. Hein? Non, mais non, mais non, mais qui dit quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Hop! Attends, d'abord. Non, comme ça quoi. Ok. Mais non! Ok. C'est bon. Des tourelles, je l'avais pas vu. Oh! Ok. Non! Là. Ce niveau. Ce niveau, chers amis, soyons honnêtes, ce niveau. Dégage! Hop! Préparez-vous à la défaite! Oula! J'ai gardé le meilleur! Bah non! Pour la fin. Ah oui, d'accord. Ensemble, on peut les avoir. Mais non, mais casse pas tous mes cubes! Toutes mes pièces! Mon argent! Je m'en fous, c'est mon argent. Il est temps d'utiliser ton bouclier, Captain. Ah bah. Oui, je sais bien, mais enfin bon. Ça chauffe? Allez, ça chauffe. Hop là. Ah, c'est pas ce qui était prévu. Ok. Ok. Non, Bucky. Bucky. Non. Désolé. Ah merde. Attends. Attends un peu, j'ai du monde sur la main. Enfin, sous la main. Sous le bouclier plutôt. Hop là, dégage. Captain America. Bucky, accrochez-vous. Donne-moi la main. Accrochez-vous, monsieur, donnez-moi la main. Et pas accrochez-vous, monsieur, donne-moi la main. Donne-moi la main, monsieur. Lego. Putain. Vous êtes en mission, monsieur? En effet. Pour me renvoyer dans le monde? Pour le sauver. Oh. L'arme secrète d'Hydra. Demain, encore? Hydra deviendra maître du monde. Et volera vers la victoire sur les ailes des Valkyries. Oh. Au revoir. Vous auriez dû le laisser au fond de l'eau. Train Hydra. Niveau terminé, on a rien du tout débloqué. Hein. Hop.
Bucky Barnes. Ok. Steve Rogers, Gunbox. Tellement stylé ce Steve Rogers. Ok. 4. Continuer l'histoire. Loki. Les Chidori s'impatientent. Qu'ils se préparent. Je les mènerai vers le glorieux combat. Votre ambition est médiocre. Nous voyons par-delà la Terre. Les mondes infinis que le Tesseract nous révélera. Mais vous ne l'avez pas encore. Oh. Vous aurez votre guerre. C'est génial. Tape dessus avec une pelle. Vous voulez ça ? Oui, l'iridium. Ça forme des antiprotons dans les météorites. C'est dur à trouver. Surtout si le Shield le sait. Que vous faut-il ? Un moyen de diversion. Oh. Serions-nous enfin libres dans New York ? Monsieur, je comprends que vous ayez été traumatisé, mais vous pouvez... Par ici, Captain Rogers. Je connais des gens qui meurent d'envie de vous rencontrer. Ah, Steve Rogers civil. Je suis... Ça y est, nous sommes libres. De vous connaître, officiellement. Aller vers l'espace, non. Ah, si j'avais 70 ans de moins. Ouais, tu m'étonnes. Alors, apparemment, on a un truc sur le... Hop, les. Voilà comment ça se passe, en vrai. Par contre, lui, comment il va rentrer? S'il a pas le fameux double saut. Elle est là, non? Ouais, elle est là-haut. Peut-être qu'il va se téléporter, j'espère. Parfait. La vache. Oh. Ah, il y a un temps, je m'en doutais. À vrai dire, je m'en doutais. Oh. Il y avait tout pour que j'y arrive. Ah. Merde. Ah bah attendez. Hop, on va pas s'embêter hein. Qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Pourquoi c'est fermé là-bas? Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord, là ça a ouvert. Et là on a une brique dorée. Qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Je suis coincé, trouvez-moi une voiture, oui très vite. Alors apparemment, ah oui ça faut les suivre pour simplement arriver là où nous le souhaitons. Police ? Police. D'accord, mais je vous préviens, ils conduisent de l'autre côté de la route ici. Ok, c'est parti. Coulson, tu montes pas. Ce sont les costumes les moins convaincants que j'ai jamais vu. Il monte pas. Oui, je commence par voler une voiture de police. Rien à foutre. Ouh la vache. Oh, la conduite de ces véhicules, ce sera pas... Alors, c'était déjà pas ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Je regarde
Donc à l'époque de Marvel Super Heroes, hein. Oh, une brique jaune. C'est vrai que j'ai pas fait attention à ma map. C'est rien, oh. C'est vous. Ouah. Je crois que j'ai un petit peu égratigné la peinture. Évidemment que l'immobilier s'envole. Coulson dégage. Oula. Dégagé. Ce serait le boulot idéal. Wouhou. Ah, pas assez de vitesse. Un gros manque de vitesse. Oh là, c'était à droite. On dirait que mes réflexes de chat m'ont fait défaut. Carotte. Carotte. Par là ou par là? Faut savoir. Ok. Je crois que j'ai pas pris le bon véhicule pour ça. Oh la vache, ça tourne pas. Désolé. Je voulais pas tous vous tuer, hein. Pas tous. Apparemment, je vais pas dans la bonne direction. Ok. Passez-vous. Oh, la conduite est moisie. J'ai même pas de klaxon. Ah ah! Qu'est-ce que c'est? D'accord. Je crois comprendre. Mes chers amis, écoutez. Nous avons d'abord quelque chose d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux avec lui? Non. Boum, boum. Ok, toujours rien. Bon. Hop. On peut toujours pas sauvegarder dans le coin, hein, c'est chiant. Même si j'imagine qu'il y a une espèce de sauvegarde automatique. Eh bien écoutez les gars, enfin les gars et les filles, les gens, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans la bannière donc un lien vers ma chaîne Twitch qui va prochainement, je vais y arriver. Recevoir une activité un petit peu plus importante. Hein. Je suis actuellement en train de bosser sur quelques contours par exemple pour le live, etc. Enfin, vous verrez ça le moment venu. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.